C'est génial. C'est bien d'avoir pensé ça, d'avoir créé ça. Je trouve ça génial. Voilà. Bah écoute, moi aussi, je suis trop contente qu'on fasse ça. À une époque, on a l'impression d'avoir tout fait. Bah ça, ça n'avait jamais été fait. Ouais, ouais, non, c'est cool. Tu vas tellement te faire défoncer. Ah oui. Mais tellement. Ah oui, ouais, je pense que ça va créer beaucoup de débats, ouais. Let's go. Ça tourne déjà? Ouais. Ah, ça tourne depuis tout à l'heure? Oui. Ah, les petits loulous. J'ai écrit un petit poème pour toi. C'est vrai? Oui. Tu sais que ça, je trouve ça beau, parce que c'est un truc qu'on fait jamais. Cher Jarry, nous nous connaissons peu, et quel meilleur moyen pour briser la glace de s'amuser ensemble en regardant un film de boules supplément chantilly. Je sens que le showman en toi va encore nous surprendre par son audace. Bravons l'interdit. C'est à la fois honteux et humain de rigoler en regardant des zizi. C'est hyper bien. J'attendais la rime de boule. Avec quoi tu l'as fait rimer? Chantilly, zizi, briser la glace, audace. Voilà, elle a respecté, on peut le dire. Tu as respecté... La rime. AB, AB, AB. C'est parti, t'es prêt? Ah, on attaque direct! Allez, c'est parti. Et pourquoi on rêve de l'avoir pour une nuit? Ah bah là, on est très clairement... Dans un endroit avec des graphes. Ah, un endroit avec des graphes, ici, dans une espèce de cave, de garage. Ouais, en tout cas, un dessous de quelque chose. Un dessous d'immeuble. Une pièce sous terre. On ne sait pas trop exactement ce que c'est, mais on se doute qu'on ne voit pas la lumière naturelle. Il n'y a pas de lumière naturelle. On a un homme torse nu qui voilà. S'entraîne, qui fait des exercices de sport. Voilà, qui arrive certainement dans le fighting. Là, il fait des pompes, ah ouais, mais les pompes physiques. Hein. Ah ouais, il est en forme. Là, il fait des pompes sur les poings, ça fait très très mal. Waouh. T'as déjà fait ça? Non, jamais. Moi non plus. Bon, il est plutôt gaulé. Hein. Ah ouais, il est gaulé, ouais. Il a des pecs, il n'a pas un poil. Non, non, non. Ni sous les bras, regarde, il s'est rasé. Ouais, il est rasé sous les bras. On sent que c'est pas un boxeur. Il nous montre. Il aimerait. Ouais. Ah, ah. Il a entendu du bruit dans les escaliers, mais personne n'est arrivé. Il y a du suspense, hein. Il y a un gros suspense. Ah, apparemment, il a une petite douleur à l'interjambe. Ah, il entend des bruits dans l'escalier. Ouais. Et déjà, ça lui donne envie de toucher, de se caresser le torse. Je suis un peu gêné de regarder ça avec toi. Je ne sais pas. Tu vois, c'est pas le Titanic quand même, tu vois. Donc le mec se lâche. Le mec se lâche le torse. Ça, tu trouves ça sexy chez un homme? Non. Là, très clairement, il se touche le kiki. Ouais, il se touche le kiki. Hein, pour voir si il est bien en place. Ouais. Ça, c'est le genre de mec que toi, tu... Non. Et il retire son pantalon. Il se donne lui-même une petite fessée. En tout cas, il a un univers intérieur fort pour trouver tout seul. T'appelles ça un univers intérieur toi, très fort. Toi, tu me suis jamais auto-mise des fessées. Alors moi, je me suis jamais fait ça dans un endroit où il y a autant de graphes. Hein. Ouais. Je pense que c'est pas un univers très rassurant. En tout cas, jamais dans un garage, quoi. Voilà. On imagine que ça doit puer, il doit y avoir de la pisse par là, il se met un poil. Là, il baisse son pantalon, nous montre ses fesses. Ouais. On sent qu'il a fait du squat. Ouais, clairement les fesses sont en place. C'est de l'auto-érotisme parce qu'il est toujours en train de se caresser. Tout seul. Tout seul. Ouais. Tout seul, tout seul, tout seul. Là, il y a un gros plan sur ses fesses, ok, ouais. On n'aurait pas compris. Ah ouais, on a vraiment zoomé, quoi. L'arrêt est bien dans l'axe de la colonne vertébrale, donc... Ouais, il a les fesses plus blanches que le reste du corps. Ouais. C'est rebondi, hein. Ouais, c'est rebondi. Mais on se demande si quelqu'un va le rejoindre à un moment. Bah, on aimerait bien qu'il se passe un truc parce que. Voilà. Là, il se passe sur quand même. Ouais, là, il a pris son kiki. Il se respire les selles. Ouais. Et tout seul. Et il continue à se foutre des petites. Ça, une femme pourrait pas le faire de se mettre des coups comme ça. Ça fait mal. Ça ferait mal au sein. Ouais. Alors, il est complètement épilé. Ouais, complètement. Ça, il a tout rasé, il doit pas aimer les poils. Non. Moi, c'est pas trop mon délire, je préfère quand il reste quand même quelques poils. Il a une énorme tub. Ah ouais, elle est énorme. Mmh. On arrive au moins au premier étage de la Tour Eiffel, là. C'est énorme, c'est pour ça qu'il est tout seul. Qui veut d'un truc pareil? C'est trop gros. Je connais des gens, moi, qui seraient chauds. Ah ouais? Ça te fait peur? Ça fait un peu peur. Ouais. Après, ça, il faut, c'est juste c'est du travail. Tu te dis, bon, bah, il va falloir vraiment lubrifier, quoi. Et, c'est plus que lubrifier. Ah là, il va falloir carrément hydrater.
T'as vu, il y a des petits regards à la caméra en mode est-ce que vous kiffez ce que vous voyez ? Ouais, je pense qu'en fait, le côté sexy de cette vidéo, c'est l'idée de voir un jeune dans une zone un peu urbaine. Oui, c'est ça. C'est ça, la L'idée, c'est un peu wesh-wesh. Et puis, t'as l'impression de voir quelque chose qui est un peu caché. Bah, je pense qu'à mon avis, c'est plus des bourgeois qui se masturbent en regardant ça que des gens dont c'est le quotidien, tu vois, de vivre entouré de graffiti. Ouais. Puis voilà, je pense que les gens qui tous les jours montent des cages d'escalier n'ont pas forcément envie de regarder un porno qui se passe dans une cage d'escalier. Non, non, alors que quelqu'un qui a un ascenseur... Voilà. Là, et des rideaux tout rouges. Exactement. Là, pour lui, c'est exotique. Donc là, il est très clairement en train de se masturber. Ouais. Il est sur un rythme un peu plus rapide. Ouais, il a accéléré le rythme. Voilà. Ah, t'as vu, il se masturbe en se massant surtout le bas de la bite. Oui, le bas. Ah ouais. C'est l'effet Cochrane, ça, c'est parce que ça... C'est pour serrer tout le en bas. Le corps sanguin et le corps caverneux, en fait, ça permet à l'afflux sanguin d'être plus lent et du coup, t'as une meilleure... Bah, tu vois, ça, c'est bon à savoir. Ouais. C'est pour ça que tu peux... certains garçons s'entourent avec un petit anneau. Cochrane, un petit anneau. Et le Cochrane, tu le mets tout en bas, juste tu le mets derrière les testicules et tu viens les fixer devant. Ce qui permet vraiment à la verge d'être très très dure, très compacte. Et surtout d'être un peu plus long pour les hommes qui jouissent très vite. Ça te permet de gagner quelques minutes. Ben oui. Ouais. Il est tout en haut des escaliers, il regarde en bas des escaliers et il espère que quelqu'un va arriver. Et c'est ce qui nous permet de voir la taille de sa bite par rapport au barreau. Immense. Tu peux vraiment, faire reposer des trucs dessus. Je pense que tu peux mettre une petite table basse, tu fais un apéro et tu tiens sur cette table. Putain, c'est fou. Ouais. Ça, c'est pas mal en vacances, pique-nique au bord de route, tu sais, quand t'as pas tout le... C'est très drôle parce qu'on voit en plus qu'il a deux testicules qui ne sont pas du tout Ouais, pas de la identiques. Même taille. Et c'est pas grave. Assume que tes couilles ne soient pas les mêmes. Là, il a terminé. Il va éjaculer. Et il éjacule. Voilà. Tout seul, mais... On n'est pas sur une éjaculation très lointaine, hein. Ça tombe au pied de sa main. Ah, tu veux dire qu'il n'y a pas un jet impressionnant, non. Il n'a pas visé. Ensuite, une autre voiture arrive. Ah. T'as vu, hein, c'est toujours des endroits désaffectés. Ouais, on a peur que ça parte un peu en bagarre, en c'est fait. C'est ça. C'est là où tu y vas pas te balader le dimanche. Non. Et encore moins avec des enfants. Non, surtout pas. T'imagines avec mon petit-neveu dans cette ambiance. Quelle horreur. Qui sort de sa voiture. On aime bien se la raconter, là, entre Lascar. Et quand on parle de nos meufs, bah, faut pas s'attendre à des trucs romantiques. Hein. C'est hard et ça nous chauffe tellement qu'on se soulage entre cum, histoire de se calmer un peu nos ardeurs. Mais t'as vu, c'est un poème aussi. Ils parlent mal de leurs meufs, c'est ça ? Non, ils disent en fait, comme nos meufs et tout, on peut pas faire tout avec eux, on se soulage entre cum. Ah. Et c'est le festival dans notre slip et vous allez voir, on est des vrais bonhommes. Ah. Cette pute. Ah ouais, mais ils traitent quand même leur copine de pute. Non, ils disent il faut qu'on trouve une petite pute. Sous-entendu, il faut qu'on trouve un mec qui va donner son cul. Ah. Tu vois ? Ah, il a un t-shirt Che Guevara, lui. Ouais. Son petit côté révolutionnaire. L'autre, une petite banane. Mais on comprend pas pourquoi il ouvre son pantalon. D'un coup, comme ça, sans prévenir. Alors qu'il parle de la caisse. En fait, on sent qu'ils pourraient avoir de l'affection l'un pour l'autre, mais ils ont du mal à se lâcher. Ouais. J'ai commencé la muscu il y a... Là, ils parlent de muscu, de comment ils sont dessinés et tout. Voilà, ils enlèvent leur chaîne. Mais tu sais quoi, je pense qu'il y a beaucoup de Lascar qui font ça. Qui se regardent torse nu. À mon avis, ils ont envie qu'ils s'interdisent, mais ils rêveraient. Bah lui, il a quand même la main dans son calbar. Hein. Ouais, bah ouais, ça l'excite évidemment. Donc, il faut que je muscle ma bite. C'est sa manière d'introduire... Il demande si t'as pas de meuf à ramener. T'as pas de meuf à ramener. Donc ils assument pas que potentiellement ils ont envie de faire l'amour l'un avec l'autre. Pas du tout, là ils sont carrément dans un dialogue de deux mecs hétéros. Ouais, ouais. Qui ont envie d'aller se taper de la meuf, quoi. Cette pute. Ah, ils se bébrent en direct. Ouais, l'un devant l'autre. Ils continuent à papoter, hein. Ça les empêche pas de poursuivre leur discussion, quoi. Ah, ils se sont mis avant leur voiture pour être plus à l'aise. Ils se masturbent en parlant des meufs en disant on va la défourailler. Défourailler quand même. Alors qu'en fait, ils ont juste envie de se faire des calinous, sinon ils traîneraient pas ensemble. Quand tu te masturbes devant un autre mec, c'est souvent quand même évidemment. Le début d'un rapport homosexuel. Hein. Sauf. Fesses. Ouais. Il bande pas très dur. Lui, il est plutôt en demi-molle. C'est quoi cette technique là? Ça fait comme si elles étaient dans la bouche du mec.
En fait, ça les fait débander de parler de meuf. Elle est belle, hein. Mais c'est vrai, putain, c'est hyper... Arrêtez de parler de meuf, vous en avez pas envie, ça les fait débander. Et tu vois bien que ça le déconcentre de penser c'est aux meufs. C'est ouf, non mais c'est ouf. T'as une bite de baiser, voilà, concentrez-vous. Là, j'ai hâte de voir le scénario qui va faire qu'il y en a un qui va se pencher sur l'autre quand même. Moi aussi, j'aimerais bien. J'ai éjaculé autant la deuxième fois que la première fois. La compète, la bouche. Donc j'ai éjaculé sur les seins. C'est quand même de très mauvais acteurs. Ouais. J'ai éjaculé sur les seins. Il surjoue. Et après je croyais que j'allais pas la reniquer, tu vois. Je croyais que j'allais pas la reniquer. Putain. Je suis dégoûté, en fait. Elle a réussi à me refaire bander cette pute. Ouais, alors tu me disais qu'elle était nulle. Donc ça s'y prend bien. Ouais, j'étais obligé. Ça, ça t'excite des mecs qui parlent comme ça aux meufs. C'est horrible. Qui traitent de pute c'est et tout. C'est horrible. Je trouve ça ridicule. Comme ça, je chatouille le clito avec mes doigts. Ah bon. Ah ouais, qui ça. Je chatouille le clito. Au moins, il est quand même conscient. C'est le dire. Est-ce qu'il sait l'écrire? Avec ma langue, je lui bouffe le cul. La chatte là. Oh ouais. Il lui bouffe le cul, il bouffe la chatte. Elle préfère se faire prendre par la chatte ou par le cul? Par la chatte. Là, la mec, je la suis. T'as vu? C'est drôle ça. Ouais. Ils disent pas sodomie. Ils disent, elle préfère se faire prendre par la chatte ou par le cul? Ouais. Ils mettent pas le mot sodomie. Non. T'as un bouffeur de chatte comme ça. Ah, j'adore. Bon, ils aiment faire des cunis. J'ai l'impression qu'ils s'auto-persuadent. Ils diraient, tu sais, des humoristes parfois en loge de comédie club qui parlent de leur passage. J'imagine si avant de passer à un passage on branlait. Mais non, mais ils sont un peu en mode ouais, moi mon passage. Et ouais, machin, ça c'est très masculin de te comparer et de se juger. Et de se jauger. Petite Dominique, moi j'aimerais bien me la tamponner encore. Dominique ? Ouais. Dominique, Nick, Nick. C'est le prénom de ma mère. C'est vrai ? Ouais. Oh merde. Du coup, t'as tout de suite projeté ta mère qui se fait par les deux? Elle aimerait pas, je crois. Elle serait là, tu sais, ma mère, elle a travaillé 10 ans dans un lycée professionnel, donc elle leur parlera de leur cursus. J'aime bien ce que tu dis. Elle aimerait pas, je crois. Ah non, elle leur proposera un contrat en alternance dans une entreprise pour qu'ils lâchent pas complètement l'affaire. T'imagines si on avait dit à Che Guevara, un jour, il se retrouverait sur le t-shirt d'un mec. D'un mec qui se branle dans une zone désaffectée. Après avoir vu cette vidéo, bah, tu ne verras plus jamais le parking souterrain de ton immeuble de la même manière. Hein. Et si tu traînes trop le soir, bah, te plains pas de pouvoir t'asseoir. Bah, c'est toujours des mecs dans des parkings. La rime de ouf. Wow. Ah, regarde, ça y est, ils ont arrêté de parler des meufs et ils se sucent. Voilà. Casse pas la figure. Te casse pas la figure. Attentionné. C'est drôle parce qu'ils trahissent les seins et ça, c'est un truc... Ah qui ouais est très important. Je sais pas si les femmes vous faites ça, si vous travaillez les tétons des hommes. Pas assez, je pense. Parce que c'est une zone extrêmement érogène. Ouais. Mais je pense que les mecs hétéros, parfois, ont du mal à assumer que leurs tétons sont érogènes. Ah ouais? Ouais, je pense. Ah ouais, il se fait très clairement sodomiser là. Il est très clairement sur une belle souplesse. Ah ouais, belle souplesse. Tu vois? Ça, c'est vrai, faut le reconnaître. Ah. Hein? On n'est pas sur une très jolie lumière, donc ça... Non, c'est pas... Tu vois, c'est pas... J'ai vu des scènes d'amour plus... Et puis là, c'est pas de l'amour, tu vois, il non, le c'est fourre. Pas de l'amour. Il essaie d'aller chercher un objet qui est très ouais, profond. Qui est enfoui tout voilà au fond. Hein. C'est pas beau, un cul comme ça. Non. Et ils s'embrassent pas, ils font pas des non bisous, pas un mot affectueux l'un pour l'autre. Non, ils sont vraiment dans la performance, non. C'est toujours ce petit bruit. Ouais, ce petit bruit, lui, il a un peu de mal à bander quand même. Enfin... Bah, parce que je pense qu'il se prend quand même une charge, là, conséquente. Et je suis pas sûr qu'avec la charge qu'il se prenne, il soit dans l'excitation la plus totale, si tu veux. À un je moment pense donné... qu'il a un peu mal, là. Ah, je pense qu'il a mal, oui. Je pense que... Bien, tu vois. D'abord, je pense qu'il a du mal à respirer, parce qu'il a ses deux jambes sur lui, donc ça vient de lui écraser la cage thoracique. Ouais, tout simplement. Tu vois. Et puis là, il le pilonne en étant devant. Bon, là, on est sur du pilonnage. C'est-à-dire que pour donner une idée aux gens, c'est comme quand on cherche du pétrole. C'est une tige métallique qui vient taper très fort la terre. Et là, c'est ce qu'il fait. Mais il n'y aura pas de pétrole. Et du coup, c'est pour quand ça que... le pétrole, c'est noir. Ah oui, il pourrait y avoir s'il n'a pas bien nettoyé. Et cette régularité. Oui, il ne change pas de... Non. Alors, il est carrément un califourchon. Ouais. Je pense pas qu'un homme t'ait déjà fait ça. Non. Parce que ça, par exemple, ça permet d'aller vraiment très loin et d'aller toucher la prostate, en fait. Et là, il y a très clairement un rapport de domination. Tu vois, ouais, il a ses deux mains comme oui, ça pour oui, l'écraser. Oui. En plus, tu vois, il y a une espèce de rapport, c'est un rebeu avec un ouais, un avec bon un céphran.
Donc voilà, il y a le fantasme de d'aller, tu vois, je pense maîtriser un rebeu. Donc ça, ouais, c'est vrai qu'il y a ça parce que en plus il est soumis complètement le. Mais je vois pas la capote. Tu la vois, toi ? Non, j'ai pas l'impression qu'ils aient mis de capote. J'espère qu'ils sont exclusifs. Ça, tu vas lui faire les seins pendant que l'autre va se finir en ce moment. Ils s'informent quand même sur leurs préférences, c'est de la communication. Oui. Ah, bisous. Voilà, petit bisou à la fin. Petit bisou à la fin, petite caresse. Bravo, belle performance. À mercredi prochain. Ouais. Mais là, il y a que du porno gay ou t'as d'autres choses ? Attends, je vais te montrer un petit porno hétéro. Alors. Ah. Alors voilà. Non, parce que je suis sûr que les ambiances sont beaucoup plus. Voilà, tu vois. Douceur. Ben non, mais c'est une autre lumière, tu vois. Déjà, c'est mignon parce qu'ils ont des hauts de couleur assortis. Voilà. De couleur corail. Ben lui, il pourrait tout droit sortir d'un porno gay. Il a sa petite. C'est la meuf, elle veut absolument tout ramener au gay. Non, mais ce qui est drôle, c'est que déjà, il y a une histoire, tu vois, il se touche un petit peu. Toi, c'est pas. Je mettrais bien un doigt dans le trou du cul. Non, non, c'est pas. Je pense pas qu'il va la traiter de chienne ni qu'il va la traiter de pute. Ben, je pense pas que mais non. C'est quand même violent, ça. Ouais, c'est violent. Il commence à la chauffer en lui mangeant le trapèze. Voilà. Ça, je suis pas sûre que ça soit très... Non, moi, les trapèzes, c'est une zone sensible pour masser, mais à lécher, ça doit pas être très... Non, juste ça doit chatouiller, quoi. Ouais, puis je sais pas, il y a un petit côté, je sais pas, je laisse un os. Tu vois, c'est pas une partie... Des bisous, oui. Non, mais ça, c'est tellement cliché, quoi. Ouais. Le mec, il arrive avec sa grosse langue et il commence à te lécher le lobe. Oui, ça chatouille en plus. Je sais pas quoi. Après. T'es pas encore totalement chaude à ce niveau-là. Ah ouais, non. Toi, tu sais, c'est comme au petit déjeuner. T'aimes bien les gens qui font. Ah, oh, que horrible. Ben là, c'est ça qu'il fait dans ton oreille. Fait... Non, c'est horrible. Non, par contre, je dois te dire que j'ai la hanche disloquée et vendredi, je suis allée faire un massage chez un masseur tibétain. Et à un moment, il massait et à la fin du massage, il a quand même mis ses doigts dans mes oreilles et j'ai apprécié. Ça m'a pas excitée, mais j'étais... Oui, tu t'es pas dit, mais... je me suis dit, peut-être que oui, j'apprécie ça, que dans le cadre d'un massage tibétain hors contexte, je suis pas sûre. Mais moi, c'est le bruit, le... Ah non, le bruit est insupportable. Mais je te claque, moi, tu me fais ça, je te claque. Non, mais je te jure, je fais « Eh oh !» On t'a jamais appris à fermer ta bouche quand tu manges. Tu deviens une vieille dame d'un coup, quoi. La politesse. Tu vois, le mec, il commence, il a... Ah ouais. Ah, c'est un supplie, quoi. J'espère qu'il a bonne haleine. Le décor, une chambre blanche avec un petit dessus de lit bleu. Ah, ça pourrait être une chambre de monsieur et madame tout le monde, non ? Tout le monde, enfin de gens qui manquent de fantaisie, quand même. Oui. Et on sait pas c'est quoi devant, en premier plan, si c'est des câbles. Non, ça, je pense que c'est les trucs de déco que tu trouves dans tous les magasins de déco, un peu en paille, un peu en... Mm. Par contre, elle a un soutien-gorge que je trouve très joli. Ça t'excite, tu dis ? Ça te donne envie de... Pas du tout. Ah, non, non, ça, je trouve ça coquet, tu vois. Ouais. Ça fait comme... tu sais, sur les pâtisseries, quand ils font une jolie déco... Ton pas du tout était tellement rapide. Ah non, mais moi, ça ne m'excite pas du tout. Oh ! Ah, ça te dégoûte ? Non, mais ça fait très longtemps. Bah là, il est en train de lécher la vulve de la meuf. Mais une vulve qui est très détendue, non ? C'est une vulve. Ah oui ? Ouais, c'est vraiment une vulve. Cette petite vague, là, c'est normal. Bah, c'est les lèvres. Hein. Ah oui ? Ouais, si. Bah, elles sont bien détendues, quand même. On sent qu'elle s'est pris des camions, madame. Même pas, je t'assure. C'est vraiment, une vulve assez classique. Hein. Là, c'est le clitoris, là ? Ouais, bah j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il galère et qu'il tape un peu. Il essaye de viser comme il peut. À la règle. Et bah là, il lui met un doigt. Deux doigts. Direct deux doigts, quoi. Direct deux doigts. On sent que c'est une professionnelle. Ouais, ouais. Je pense qu'une fille dans la vie, un doigt, ça peut faire mal quand même. Il faut bien préparer, bien préparer. Alors l'intérêt, c'est qu'elle n'a pas enlevé sa robe. Ouais, bizarre, elle a pas enlevé son débardeur ni son soutien-gorge. Alors déjà, j'étais mal à l'aise tout à l'heure en regardant un film porno avec toi, mais je me rends compte... Que tu es encore plus mal à l'aise. Je suis hyper mal à l'aise. Mais vraiment, hein. Et ça fait des années que je n'ai pas été mal à l'aise comme ça. Non, c'est un truc de ouf. En plus, elle... La pauvre, elle est mal. Elle fait « Oh oui !» T'as l'impression qu'il aspire un truc. C'est bizarre, non ? Bah, il lui fait un cunis, quoi. Ah bah, regarde, il a mis sa bite dans sa chatte. Ah, là, je suis un peu plus à la maison, pour le coup. Ah ouais. Oui, bah là, finalement... Bon, il la baise, hein. Il la baise, quoi, tu vois. T'as vu le son de sa voix qui fait... Ouais. Elle aurait pu complètement enlever son string, parce que là, ça les dérange un peu. Bah, je pense que le string doit lui rentrer dans le huc. Ouais.
Par contre, c'est bien parce qu'elle est assortie. Elle a le même soutien-gorge et le même slip avec les petits nœuds. Non, mais moi, je peux pas, les mecs, pour ça, quoi. Tu peux pas prendre un sein et te faire comme si c'était une balle anti-stress. Oui, mais, dans l'autre, non. Ça les déstresse. Ouais, mais le sein, ça se travaille, je pense. Là, il appuie dessus comme un buzzer. C'est un gamin. Et tu vois, elle se trompe, là, sur la fellation qu'elle lui fait. Ah, elle le fait mal, là ? Ben oui, parce que sa main reste en bas. Ouais. Et elle n'applique pas cette petite pression. Mais tu vois, moi, j'ai déjà fait cette erreur, je pense. Ben oui, en fait. Je pense que... Faut bien ouais. Serrer à la base. Ouais. Mais elle a pas un bouton sur les fesses. Non. Ouais, c'est insupportable, les cris. Elle t'agace. Ben, moi, je trouve ça insupportable, parce que je trouve que ça sonne faux. Ah, je vais faire des cauchemars toute la nuit. Putain, ça fait longtemps que t'avais pas vu non, ça. Non mais, ah bah c'est... Là, je redécouvre un truc, hein. Ça va ? Bah tu vois... T'es pas nostalgique, quoi. Ah non, pas du tout. J'ai connu ça, hein. Ouais. Mais j'ai jamais fait ça. Hein. Non, moi j'étais traditionnel. Mais le truc que je me dis, c'est que... Je trouve ça plus bestial dans le rapport hétérosexuel que dans le rapport homosexuel. Ouais. Regarde. Je pense que c'est exactement pareil. Tu crois que c'est pareil ? Moi, je pense que c'est pareil, hétéro-homo. Je pense qu'il y a des hétéros et des homos qui font doucement et d'autres qui le font bestialement. Mais eux, c'est vrai que... Ah, ils la retirent. Ah bah... On n'a pas vu les Jacques. On n'a pas vu les Jacques. Tu vois, je me dis, t'as 15-16 ans, tu tombes là-dessus. Ouais. Si... C'est un peu violent quand même. Bah, je sais pas si c'est violent, mais en tout cas, je sais pas si t'es en capacité de te dire que tu ne pourras pas faire ça. Ouais. Tu vois, j'imagine le mec qui dit à la fille, tiens, mets-toi de dos à moi et monte et descends très très vite et mets des petits coups de bassin à Michael Jackson. Moi, je trouve ça très complexant, en fait. Je trouve ça complexant, parce qu'il y a des filles qui... Faut être sacrément gaulé aussi pour faire ça. Ouais, c'est clair. Et même le mec, il faut qu'il soit très bien membré aussi, parce que il avait une belle hauteur de mouvement. C'est l'image de la meuf qui se fait bouffer la chatte. Ça t'a pas plu, ça. Ah, j'ai plus du tout envie de dessert, là. Voyons voir le dernier. Bah oui, écoute, on dirait un... Un jeune cadre. Un agent immobilier, Un agent... Bonjour, vous venez pour visiter l'appartement ? On va faire un massage ? Ça te va ? Allons-y. Ça, je crois que c'est le fantasme absolu. Ah ouais ? Bah oui. Pourquoi ? Bah parce que... C'est un mec qui est habillé, tu vois, style banquier, il va se faire masser et que ça va partir en cacahuète. T'as déjà le sopalin sur le côté. Ah oui, tout est prévu, en effet. Tu vois. T'as le sens du détail parce que j'avais pas vu le sopalin. Petite serviette pour le massage. Petite serviette pour le massage. Ils sont un peu maniaques. Il est gaulé, hein. Ah, il est gaulé, ouais. Mais il fait très hétéro. Ouais. Tu vois, il lui touche déjà la bite. Ouais, le massage a pas duré longtemps. Il a même pas mis d'huile. Non, il a pas mis d'huile. Mais tu vois, il travaille les seins encore. Moi, je pense qu'à chaque fois que j'essayais un peu de masser les seins d'un mec, il était gêné, hein. Alors, en fait, faut pas masser le sein, faut masser à peu près un doigt en dessous le téton. Ah. C'est la zone qui est juste en dessous. Ah, putain. Qui est érogène. Mais pour vous, c'est un peu pareil aussi, chez les femmes. Franchement, c'est tout le nibard, hein. Ouais, ça y est, il vient de lui attraper la queue. Ouais. Oui, mais tu remarqueras qu'on voit pas encore sa bite. Non, parce que je pense qu'il est pas du tout excité, là. Il le masse comme il... Ouais. Il masse un pneu. Ah, il va ouvrir quand même la ceinture. On va découvrir. Bon, là, moi, je suis assez curieuse, quand même. J'ai envie de voir sa bite. Bah, je pense qu'elle est l'image de son corps. Hein. Un peu large et pas très longue. Il y a pas beaucoup de porno avec des petites bites. Moi, j'en ai jamais vu. Jamais vu de petites bites ? De toute ta vie ? Ah bah, je vais t'en présenter. J'en connais une. Ah ouais ? Ouais. Mais qu'est-ce que t'appelles une petite bite ? Non. Non. Non, mais... Ça, là ? Ouais, mais en largeur et en... En repos ? Non. Ah, mais vas-y, moi, ça, je vomis, hein. Mais non, c'est une bite d'enfant. Comment tu peux être excité avec ça ? C'est pas possible. Non, mais parfois, tu tombes sur ça, tu vas... Tu fais quoi ? Bah, tu fais ce qu'il y a à faire, hein. Ah bah non, tu fais... Ah ouais ? Bah, tu fais d'autres choses, tu... Ah voilà. Bah, ouais, mais il peut pas te prendre. Non, bah, faut trouver vraiment une position où tu T'as vas... T'as pas envie de faire du truc des guillis Et lui, il le vit comment ? Je pense mal. Jamais de ma vie, ça m'est arrivé. Jamais t'es tombé sur... Jamais de toute ta vie ? Jamais. Et je pense que si ça m'était arrivé, j'aurais fait, écoute... C'est pas grave. On va oublier ce qui vient de se passer. Ah ouais. Et je vais te donner un bon chirurgien.
Je sais même pas si tu peux vraiment. Je crois qu'il faut 7 cm pour procurer du plaisir à une femme. 7 cm ? Ouais. Bah. Ouais. Mais t'as pas 7 cm. Non, t'as pas 7 cm, non. Non, mais bon, un mec qui a une petite bite, s'il te fait un bon cuni, ça passe, hein. Ouais. Bah, c'est comme un mec qui a une petite bite, s'il te fait une fellation, ça passe aussi. Oui. Je pensais que c'était un fantasme. Le que c'était est... un peu mythologique. Le... Ah, que tu sais, ça n'existait pas petits... ouais. Non, ça existe. Et des mecs qui ont des carrures d'hommes. Ah oui, 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 tu ne peux pas deviner, tu ne peux pas savoir. Il n'y a pas de mec assorti à leur petite bite. Quand même. Bah, c'est tout l'effet trompeur. Après, tu peux te dire, ah oui, tiens, c'est vrai, je me disais qu'il avait l'air de souffrir. Mmh. Et tu pouvais penser que c'était lié à l'état de sa carrière. Et non, en fait, c'est, tu découvres qu'il a vraiment un tout petit sexe. Et, et genre, tu fais la meuf surprise quand tu découvres ou tu fais comme si tout était normal? Le mec, en général, te le dit, te dit, ah, je te préviens, bah, j'ai une petite bite. Ah oui, il le dit en bah, plus. Ouais, mais c'est le truc le plus honnête à faire. Parce qu'au moins, ça crève l'abcès, tu vois. Plutôt qu'un mec qui fait semblant que tout est normal alors que on a tous bah, vu. Tu vois. Ah, le pauvre. Ouais. Mais bon, je pense que tu sais. Ah, bah regarde, on a découvert la sienne. Alors, ah, bah là, on n'est pas sur une petite bite. Non, non, tu vois, je te disais, petite et épaisse. Bah, petite. Elle n'est pas très longue. Non, elle n'est pas très longue, mais elle est sacrément épaisse. Hein. Oui. Oh oui, on est sur une bouteille de coca. Waouh. Il n'a pas changé d'expression du visage, non, lui. Non, il reste immuable. Immuable, poker face. Tu peux pas savoir ce qui lui traverse l'esprit. Simplement, pas grand-chose. On dit tout le temps que les blacks ont des grosses bites et tout. Je suis sûr qu'un black qui a une toute petite bite, c'est encore plus dur à vivre. Mais je me suis tapé un mec renois qui avait une bite assez petite, figure-toi. Bah on l'embrasse et on regarde. Ouais, mais... on dit le salut, j'ai plus de nouvelles. Tu te sens pas obligé d'en donner. Non mais tu vois, là tu peux être surprise. Je pense pour tous les mecs, c'est pas un cadeau. Je pense que c'est un fardeau... Et à l'inverse, je pense que quand t'as une énorme bite... C'est handicapant aussi, hein. Je pense que c'est hyper handicapant. Bah évidemment. Évidemment, c'est sûr. Plus... Oh, différemment. Mais... Bah, je pense que si tu peux rien faire... Ouais, je peux... Bah, t'imagines à chaque fois juste causer l'effroi, quoi. Mais bon, c'est... Non, faut qu'elle soit énormissime pour que ce soit pas possible, quoi. Écoute, ça dit que je parlais pas de moi. Regarde, ferme les yeux. Ah, t'as entendu? Massage à vrai parce que là t'es... Il est joli. Oui, il est très beau. Après, c'est pas fait le maillot quoi. C'est... Ah, toi tu veux que ce soit tout rasé par là? Bah, pas tout, mais quand même un minimum quoi. Ah, moi je préfère quand il y a des poils. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Ah pourquoi? Bah, parce que je trouve que ça habille. Putain, c'est la première fois qu'on voit un vrai sexe au repos. Hein. Oui, c'est vrai. Regarde. Il est boudiné là? Ah bah là, il est complètement endormi. Et il est complètement boudiné. Et c'est bien aussi, je trouve, de montrer un sexe au repos. Ah, moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très, très bien. Je trouve ça même... Mais non, mais... Vital. Vital. Ouais. Mais oui, parce que je trouve que c'est rassurant. Ouais. Parce que la taille d'un sexe au repos n'a rien à voir avec la taille d'un sexe en érection. En érection, ouais. Tu vois. Ça, tu fais ça à un mec de lui toucher les couilles, les fesses Ouais, si, j'essaie. Tu vas sur la nu? Ouais, j'essaye, mais pareil, tu sais que tous les mecs ne sont pas ouverts. Déjà, il y en a qui n'aiment pas quand tu leur touches les testicules. Ah ouais? Ouais. Et il y en a qui ont peur quand tu t'approches de leur anus. Ils ont peur de quoi? Bah... Genre, ils pensent qu'on rentre comme ça. Ouais. Bonjour. Ah non. Non, mais tu vois, c'est... Ouais, ouais. Ah, c'est rigolo, je pensais que c'était très démocratisé chez les hétéros. Non, pas encore tout à fait démocratisé. Mais... Parce qu'ils touchent la nu des femmes, les mecs, sans trop poser oui, de questions. Ouais, mais eux, ils ont du mal encore à accepter qu'on puisse toucher le leur. Ils commencent à se poser la question. Certains, ça y est, acceptent. Certains acceptent que tu passes autour. Certains acceptent même que tu puisses leur lécher. Mais ensuite, que tu puisses leur pénétrer l'anus, ils veulent pas. C'est quoi les mecs que tu tapes? Faut que je sorte du profil artiste, ouais, je pense. T'as déjà les mecs qui te disent, tiens, je serais ouvert à un plan à 3, t'as déjà découvert? Ah ça oui, ah bah ça oui, en général, tous les mecs sont ouverts, c'est même leur mais fantasme. Pas forcément avec deux meufs. Ah, avec un autre mec? Ouais. Jamais, ils voudront pas, ah bah non. Jamais. Parce après, que, mais... moi, je sais pas si j'apprécie, franchement, si je fais un plan à 3 avec deux mecs et que je vois qu'ils adorent s'embrasser, j'ai peut-être envie de leur dire, bah... Pff. Peut-être que je suis trop contente de vous avoir présenté, mais je suis pas sûre... Moi, je sais que si demain, je faisais un rapport avec une femme et, moi, et que je voyais que les deux s'entendent...
Ouais. Ça me challengerait à dire attends. Attends. Tu vas revenir parce que regarde ce que je vais faire, tu vois. Ouais, à mon avis, c'est pas vu la réaction quand t'as vu des vulves, c'est pas non plus demain que alors, tu vas. Alors ça. C'est pas demain que tu vas faire un plan à trois avec demain. J'arrive. Mais peut-être que si. Mais peut-être que si. Mais faudra si pas que tu vois les vulves. Si, voilà, si faut juste pas que tu vois sa vulve. Parce... Qu'elle est de dos et ouais. Que je peux l'appeler Bernard, non. Didier ou machin. Tu vois et qu'elle a une longue veste. Non, je là, pense que je pourrais. Ouais, ouais. Tu sais, moi j'ai connu les femmes jusqu'à 27 ans. Hein. Ah ouais, quand même, putain. J'étais pas un super coup, je pense, pour elle. Tu vois, il n'y a jamais une femme qui m'a dit merci pour ce moment incroyable. Tu vois. Ouais. Mais je sais que ça m'a jamais dégoûté le corps des femmes. Bien, enfin, là tout à l'heure ça m'a surpris sa vulve parce qu'elle était un peu particulière quand même. Non, franchement, c'était vraiment juste une vulve. Non. Je te jure. C'est Rosa, vulve. Elle était. C'était. Il y avait ses formes avec ses lèvres là. C'est pas. Il y a pas ces formes. Comment ça s'appelle ça, cette forme là de d'orage. Un papillon. Non mais. Mais l'Amérique. Comment je pourrais dire elle a... Attends, j'ai honte de ce que je sais pas. Mais non, mais... C'était tellement enfantin. Mais oui, mais... Cette forme d'orage. C'est comme ça qu'on dessine l'orage, un petit éclair. Je pense que quand c'était... t'as une vulve... Toutes les lèvres, elles sont un petit peu... C'est là, tu vois... Les... À partir du moment où il y a eu beaucoup, beaucoup de pénétration, non? Non, franchement, à un détend. Moment, tu la voyais... Oui, mais là, tu la voyais, genre, les lèvres externes, elles étaient quand même comme ça. Et ensuite, à l'intérieur, t'avais les lèvres internes et c'était un peu comme ça, mais comme, franchement... Il y a deux lèvres. Il y a les lèvres externes et internes. Oui. Et est-ce que toi, tu trouves un petit peu comme ça, c'est les lèvres internes, c'est mais... C'est la muqueuse, là. Bah ouais, c'est ça. C'est, ça me paraissait quand même relativement standard, hein. Là, c'est bizarre, il lui tient la bite à l'envers. Je sais pas si c'est très agréable, ça. Si, c'est très agréable. Ah bon ? Ouais, il le masturbe, en fait. Dans l'autre sens ? Dans l'autre sens, ouais. C'est très agréable, surtout ah là, ce qu'il fait avec ses deux doigts, là. Il est sur une zone très érogène chez les garçons, entre l'anus et le début des couilles. C'est une zone très, très, très sensible. Et là, ça trépune tous ses poils ? Je suis pas fan. T'as hein. envie de les lui épiler. Comment ? Tu dis, attends, quoi, de prendre une petite... Je reviens. Alors... Tu vas prendre une douche dans 5 minutes, ça va chauffer. Est-ce qu'on veut voir comment ça se termine, cette histoire ? Oh bah là, je pense on a compris. Ça. Est-ce qu'on veut voir l'éjaculation ? Je pense qu'il n'y aura pas. Il n'y aura pas ? Je pense que c'est vraiment un truc... Avance. Voilà, tu sais, dans certaines techniques de yoga, c'est un doigt dans la nuque. Hein. Ça se permet de détendre toutes les terminaisons nerveuses. Ah mais c'est très bon pour le corps. Mais moi, je suis entièrement d'accord. Hein. Parce... Il kiffe, il est en train de se détendre. On sent ouais. que là, il pense plus du tout à la banque. Bah, c'est sûr. Mais tu sais quoi, tout le monde devrait se prendre vraiment des doigts dans le cul. Surtout à Paris, tu vois, quand les gens. Alors, écoute cette phrase, je vais te laisser la dire. Mais bien sûr. Et vraiment, mais on serait tous beaucoup plus détendus de manière générale. Et tu vois, vraiment. Ça avance un peu. Peut-être qu'il va se faire prendre, hein. Ah non, il est en train de lui faire un plaisir prostatique. Waouh. Ouais, c'est un massage, un vrai massage prostatique. Ouais. Bah alors, autant il n'arrivait pas à faire les autres massages, autant là, celui-là, c'est un professionnel. Ouais, là, tu sens qu'il a l'habitude d'habiter ce. Ah ouais, moi, j'ai jamais. Il faudrait que j'apprenne, tu vois, mais ça, je ne sais pas faire. C'est très simple. Hein. Ah ouais. Tu mets ton doigt, tu sens la prostate, et c'est les frottements du doigt sur la prostate qui créent. Ce sentiment de plaisir. Eh bah voilà, eh bah. On va peut-être s'amuser un petit peu une dernière fois, et puis on va te laisser. Voilà. Et voilà. Ouais. Et bah. Quel menu. Waouh. Et bah putain, j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses. Mais moi aussi. Passons au questionnaire de Proust. Ok. Mais adapté au porno. Ok. La qualité que tu préfères chez un acteur porno. L'endurance. La qualité que tu préfères chez une actrice porno. Ah, c'est une très bonne question ça. Je dirais la flexibilité, mais... Ouais. Ouais, ça te parle. Ouais. Ce que tu apprécies le plus dans un film porno. Le niveau de comment on dit en français, je l'ai dans aucune langue d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis ça. De testostérone, quoi. Ah. C'est le, tu vois. Ouais. Que ça soit très excitant. Le principal défaut d'un film porno. Les bruits, les sons. Yeah. Ah, tu préfères quand c'est silencieux. Ah, ou une musique, ouais. Ah ouais, c'est insupportable les bruits. Ah ouais.
Ah ouais, c'est comme les gens qui mangent à côté qui font du bruit. Ah, d'accord. Ouais. Ton porno préféré? Et moi, je croyais que quand j'étais jeune, je regardais les pornos de Wesh Cousin. Ah ouais. Tu vois? Eh ouais, comme le premier qu'on a vu dans le garage. Je crois que c'était ça, ouais. C'était ça qui t'excitait. Bah, j'aimais bien, à l'époque, je faisais du hip-hop et tout, tu vois, il y avait un truc un peu Wesh Cousin, quoi. Ah ouais. Plus du tout aujourd'hui. Hein. Plus du tout? Ah non, côté Wesh Cousin, plus du tout. Ah ouais. Non, c'est... Ton idée du porno parfait? Bah, peut-être un porno qui mettrait en avant les sentiments, l'émotion et la mise en scène. Et enfin, ton état d'esprit actuel? Là, ouais. Je suis vidée, j'ai l'impression qu'on a fait l'amour tous les deux, mais c'est vrai. Mais c'est intense, hein, c'est très intense. Par contre, on vient de vivre un truc quand même. C'est un niveau... Est-ce que tu avais déjà regardé du porno avec quelqu'un? Mais jamais. Jamais? Non, peut-être un pote quand j'avais 14-15 ans. C'est tout? Ouais. Sinon, c'est tout seul, tout seul, tout seul. Bah, avec qui tu veux que je regarde ça? Avec ton partenaire? Ah bah non. Jamais? Waouh. Non, mais tu vois, c'est drôle parce que j'ai vécu des sentiments que j'avais pas vécu depuis très longtemps, Rosa. La première fois là, que j'ai vu la fille se faire démonter, j'étais très gênée. Parce que je sais que tu pouvais être cette fille. Et ça me gênait de te voir faire l'amour comme ça. Si je me fais démonter comme ça, je dis aïe, 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 stop, aïe. Tu vois, ça s'arrête très vite, quoi. Ouais. Mais dis, pas aïe. Parce que t'as mal, parce que t'as pas envie d'être Non, comme mais ça. Pas comme ça. Tu vois, bah, si je suis située, je dis oula, j'ai du calme. Ouais, doucement. C'est ça. Ouais. Mais toi, t'es une romantique quand même. Ouais. Non, mais bon, parfois, à un moment, ça peut s'accélérer. Hein, non, tu mais vois. Évidemment. Ouais. Mais tout ça fait partie d'un ensemble. Ouais. Non, c'était étonnant. Ouais, c'était incroyable. Mais c'est quand même, moi, je trouve hyper instructif. Hein. Là, je trouve que ce que tu fais avec l'un dans l'autre, tu mets en lumière quelque chose qui est très diabolisé, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est un des rares endroits qui nous permet de prendre du plaisir, de nous détendre et puis de se faire du bien. Donc moi, je trouve que tu es en train de mettre en lumière ça et c'est super, franchement. Et c'est pas du tout vulgaire. Mais là, je suis vidé. Mais vraiment.